Et l'acte du 6-7 juillet, c'est le dernier assassinat de Jovenel Moïse. Éditeur, son plaisir, même dans ces moments de tristesse, dans ces moments d'indignation, on est obligé de continuer à communiquer avec la population. Mais vous, vous en deuil par tenue, mais aussi par comportement. Nous avons une petite chance de parler de ça. La police a lancé l'émission. Mais on a parlé avec vous également, M. Evans Paul. Moi-même avec vous, ça y est environ 5 ans que vous avez rencontré. Et le but qui t'a fait de rencontrer, c'était l'élection de Jovenel Moïse. Nous avons fait une émission sur ça, c'est un combat politique. Et je vous dis encore, vous êtes disponible et vous vivez, ça va passer à frapper par la mort tragique du président. Comment apprendre une nouvelle ça? Je vais prendre une nouvelle là, tant que tout le monde, bien sûr, c'est dans le temps de la nuit, c'est là pour mon abdomen. D'autant plus que je suis un monde qui a dormi tard, je n'ai pas dormi trop longtemps, les amis qui me disent si je m'entendais, ça va passer. Là, ils disent ça va passer, c'est dans le film cinéma, ils disent ils ont attaqué le président. Bon, tant qu'on y a une vidéo, quand pile bagaille sur les réseaux sociaux, etc. Bon, nouvelle là, moi, commencé à circuler bien bonnet, même tu refusé quoi. Tu refusé quoi. Et puis, c'est malheureux, les nouvelles là confirmées. Pour moi-même, son choc jusqu'à présent. Son choc parce que dès qu'on fréquentait le président Jovenel Moïse en tant que personne, dès qu'on recevait la CAILI. Son choc parce que tué un monde, un humain, un père de famille, un mari. Et parce que tué président un pays. Et puis, tué dans la condition où tué là, en dans la CAILI, dans la chambre. Et c'est lui-même seul qui mourit depuis. Hein. C'est inacceptable. C'est lui-même seul qui mourit et l'autre monde qui est victime, qui est blessé, c'est madame. Comment comprendre ça? Quel message vous pensez ça? Vous les voyez, tout agent de sécurité, par Guillaume, même qui est blessé par balle, il y a un prétexte de désarmement, je dis. Est-ce que c'est possible pour que les agents de sécurité, ou même qui fait expérience également au plus haut niveau de l'État comme Premier ministre, est-ce que c'est possible pour qu'un président, n'ayant l'heure bien déterminée, capable exiger à des agents de sécurité pour pas de quitter mon entrée. Côté problème dans ta de sortie, ta douille, n'est-ce pas? Non, m'a dit que sécurité président, son bagage qui est organisé de manière professionnelle et institutionnelle. C'est-à-dire? Eh bien, depuis le premier mandat du président René Préval, en 1996, il y a des dispositions qui prend à travers la police nationale pour gagner 3 unités qui occupaient principalement de la sécurité du président de la République. C'est... 3 unités, ça, c'est UGPN, qui c'est l'unité de sécurité générale du Palais national. Les mêmes missions, c'est contrôler les voies d'accès. Par exemple, dans le palais, pour entrer dans le palais, c'est UGPN. Pour entrer, tout périmètre externe, c'est-à-dire que pour entrer dans la cour avec le président, le président sorti tout, c'est lui qui fait advance, c'est-à-dire que c'est lui qui est devant. Ou capable de voir si le président voit pas son côté, il y a plusieurs policiers qui campaient dans des positions stratégiques. Pour prévenir. C'est wall par eux. Assurer de passage là. Ou gagne une deuxième unité qui c'est USP, unité sécurité présidentielle, lui-même. Il y a des agents qui occupent de la sécurité rapprochée. Ils sont pré-président. Ils n'ont même pas un uniforme policier sur eux, ils sont en civil. Est-ce que c'est eux-mêmes qui toujours en veste? Oui, et c'est presque un bagage universel. Parce que depuis le SATO, on a l'image du président changé. Longtemps, on a le grand président, on a un gros âme qui campe côté, etc. Et l'expérience de paquet de coups d'État qui fait, dont le coup d'État contre le président Jean-Bertrand Aristide, pour le faire, il a modifié le système de sécurité présidentielle. Là. Et M. Sayo, USPO, c'est mon qui a entraîné, même si vous avez ouvert cela, il y a un outil en bas de cela. Oui. Mais c'est pour, il faut pas effrayer les gens. Mais subtil. Ou pas, capable de président le camp pour un côté, puis de faire un bon gros âme. C'est ça qu'on a longtemps. Président a une image de paix, de sérénité pour nous sentir en sécurité. En même temps, lui-même, tout en sécurité. Parce que c'est périmètre que ton président est, son périmètre qui est contrôlé. Et puis, une troisième unité, 4 timnan, qui c'est Sizoka. Donc, arrêtez le comme ça. Sizoka veut dire que l'île a pour le faire affrontement. Bon, oui, si on attaque qui fait, c'est-à-dire que lorsqu'on protège présidentiel a passé, machine qu'il a dans le lieu, ce n'est pas pour plaisir. Là.
chaque machine gagne mission pareil. Et si tu as un obstacle dans la rue, il y a des gens qui pour gourmer contre monde qui fait attaque, il y a des gens qui pour continuer faire route là pour aller à président. Si on fait une attaque sur le président dans le palais national ou bien la Kaeli, il faut des gens qui prévoient voie d'évacuation qui vient après parce que président ou bien VIP à protéger comme on a parlé de président et le président de la République c'est l'homme le plus protégé du pays et pays a payé comme pour ça, pays a dépensé comme pour ça, pays a formé monde pour ça. Et c'est pas président Jovenel Moïse qui créé corps sécurité. Yo là m'a insisté depuis 1996. Et gon tradition le premier mandat du président Préval, le deuxième mandat du président Aristide, le président Boniface Alexandre, le président Préval Bis, le président Martelly, le président Privert et encore le président Jovenel Moïse. C'est presque les mêmes personnes. Seules les petites modifications, c'est lors du deuxième mandat du président Aristide en 2004, les petits changements ont été faits avec une compagnie étrangère qui est venue. Tout de suite après son renversement, ils viennent corriger l'encore. Et la plupart des gens qui sont dans le corps, c'est des professionnels. Alors, son corps, alors, il y a quatre personnes qui coordonnent la sécurité du président. Parce que chaque dans unité, ça y a un chef. Et il y a un monde qui coordonne les trois. Alors, lorsque tu as parlé de complicité, tu es capable de dire de monde qui a assuré la sécurité du président, son bail qui paraît être mon rêve. Et c'est quatre personnes qui ont caché ensemble pour faire un complot contre le président. Je m'a posé question, parce que ces questions m'obligent à poser, mais c'est des questions qui sont vraiment troublantes et dérangeantes. Une question que j'ai posée également, j'ai trouvé que c'est inimaginable que dans l'attaque, ça, c'est uniquement le président qui mourit, c'est madame l'équipe, selon toute information, prend balle. Pas rien y a égratigné ou même sur une agence là, qui, selon l'explication que vous partagez avec nous, a dû également dans le périmètre de résidence privée, président, monsieur Evans Ball. Parce que l'accès, la première question, c'est l'accès. Comment pour entrer? Bon, il n'y a pas besoin de président de la République, quel que soit mon nom, ou bien, second, l'autre était non cas, il y a une barrière, ou bien, ou pas entrer comme président, n'importe qui, genre. Moi-même, moi connais des gros barrières métalliques, vous comprenez? N'importe qui ne peut pas traverser. Il fonctionne de manière électrique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on monde qui pèse un bouton pour l'ouvrir. Mais alors. Votre chambre président, quoi? Votre chambre président, il dit que je ne vais pas rentrer dans la chambre. Il dit que votre chambre n'a gagné, il est blindé, etc. Mais pour arriver dans votre chambre, parce qu'il ne faut pas oublier que l'entrée est dans la caille. C'est pas dans votre chambre nous entrer avant. Faut commencer par entrer dans caille là pour y venir dans chambre là. Alors il y a tellement de questions et la sécurité d'un président gagne toutes des dispositions stratégiques qui prend par rapport à caille là. Il est clair que la maison où habitait le président n'était pas appropriée pour être une résidence présidentielle. L'environnement aussi, pour des raisons pour genre caille là côté caille là situé à pas côté qu'on l'autre voie de sortie etc. Bon, ça c'est une autre question. Mais même si ça, il y a assez de dispositions, il y a assez d'obstacles. Parce que comment c'est qu'il y a obstacles depuis sur la route de Kinskoff pour entrer dans Pèlerin 5 ans, il y a un backup qui est toujours là. Bon, quel que soit le côté passé, parce que sous il y a des professionnels qui ont fait sécurité au président, c'est que je pense qu'il y a une capacité et la formation pour garder tout. Éventualité, tout ça que tu as présenté, et tu te prends des dispositions, tu es capable d'anticiper. Alors, ces questions à poser. Cependant, il faut nous faire garder l'aspect sociologique là. C'est-à-dire, le fait que, il y a dit, c'est dit, il y mentalité, et c'est une opération, il y a un côté technique, mais il y a un côté sociologique. Et il y a une opération stratégique. Ou stratégique, il dit que depuis quelque temps, si dit il vient arrêter tout le monde, est coupable. Jugement beaucoup. Me songe qu'il y a un ancien policier qui dit il était là avec lui. Après ça, il vient monsieur pas coupable de tourner dans le pays. Mais depuis c'est dit qu'il arrête tout le monde, il est coupable. Bon, à quoi ça a pas d'exister? Bon, il existait. Le, il dit c'est dit il est capable d'entrer là. C'est parce que yo joué sous mentalité policière à tout. Ba di policier a tout. D'accord, non? C'est inacceptable. D'ailleurs, policier yo connaît, agent di yo directement pas faire opération. C'est toujours BLTS et yo même yo capable là pour yo garder comme opération à mener. Comment pour dire
dit il y a contre Caillon président pour dire ouvert bah repasser. Alors mais il joue sous mentalité à tout. Tout mentalité comme c'est dit hier, c'est blanc américain, il doit rentrer là ouvlé côté ouvlé. Ça c'est une première et considération d'ordre sociologique qu'on capable faire. Une deuxième considération d'ordre sociologique, il m'a passé à analyser pour qui ça ce sont certains commandos étrangers parce que si accès à facile comme ça pour qu'ils soient ou les chercher bon l'autre côté puisque dès vous faites entrer dans chambre on a n'importe quoi qu'à tuer comprendre et ça fait une polémique qu'est-ce qui tue qu'est-ce qui pas tue mais pas oublier que dans mentalité haïtienne nous pas tuer président facilement et me te poser question à des soldats et après le coup d'état de 1991 yo dit l'autre est président, toute femme est fou. Question, mentalité ou pas jouer avec ça? Il y a un droit difficile de jouer un monde qui veut trouver président en Haïti. Et ça fait chercher mercenaire, parce que mercenaire, là, dans toute complication, ça. Son mission, il y a un mercenaire, il faut que le peuple connaisse. Un mercenaire, c'est un qui fait job, tout le monde, vieux job. Job action négative. Ou quand il y a un mercenaire dans tout domaine. Et le monde ça yo c'est des mercenaires si ou gon compte maison règle au monde ou bien retirer la vie au monde ou payer yo sans état d'âme c'est bon problème yo grand jeunesse c'est pas bah idéologique à régler yo payer yo des hommes de main des hommes de main c'est ça des auteurs sous les matériels d'exécution donc gain droit pour des raisons d'ordre pas connait sociologique etc yo pas vli engager haïtien en tuer président et puis yo chercher monde qui pas gain mentalité ça pour tuer président parce que et dans l'histoire, nous, comme en pile monde dit déjà, nous n'avons pas l'habitude de tuer le président. Il y a un pile monde qui dit que le président n'a pas mourir par balle, selon la dernière image qui a circulé là, qui est malheureusement choquante, l'image d'un président qui a circulé comme ça, encore mort. Mais il y a un monde qui dit que c'est peut-être après coup, après torture, et que tu as fait des tentatives de simer balle sur lui-même. Premièrement, le président passant de un monde qui mourit par balle. Comment comprendre cette thèse-là? Bon, moi-même, je voulais quitter scientifique qui fait enquête là, mais qualité torture, image que tu as montré président subi, moun pa ka résister à torture ça. Moun pa ka imaginer que un président haïtien a dû subir de. Quel que soit moun, pas même un président, personne moun pa doit subir ça. C'est-à-dire, tout moun ou gon limite ou ka résister, que a gon limite de souffrance li ka pran. Si ou di moun ou kasse pour être moun, ou kasse pied, ou pète yeux, moun n'a pas existé encore. Il n'a pas existé. Il a doit beaucoup fin mourir net, mais il n'a pas existé encore. Vous pensez que tel acte a dû avoir un message derrière lui, cette torture, l'immensité de. Alors, tu as une haine, tu as une haine que tu n'as pas fin de comprendre. Il y a un cap dit pour signer. Signer qui ça? Ça me t'a demandé qui ça qui signe, à la base de. Mais signer qui ça? Bon, le président, tu as signé n'importe qui bagaille. Qui va le sale signer, tu as gagné? Bon, même dans la justice. Si on fait un bagage sous pression, qui va le gagner? Admettons que lui a fait le signe démission, ou bien il a dit demander le signe un chèque. Ça n'a pas de sens. Ou qu'il a fait le signe un chèque. Je signe un chèque là, d'ailleurs, je bon, signe un truc pas ça. Deuxièmement, je signe un chèque là-bas, on me bloque après. Ça, c'est cette foutaise. Comment demande le président signe? Signe quelle démission? Soit il demande le démissionnaire. On prend, ce sont des questions. Mais, l'acte du 6-7 juillet, c'est le dernier assassinat de Jovenel Moïse. Et mesurez-moi, c'est le dernier assassinat. Parce que c'était qu'on assassinait l'enfant. Ok. Bon, parce que, il y a une théorie qui existait, il y a eu assassination de caractère. Il y a tout le caractère. Gonjan, il y a présenté. Gonjan, il y a préparé l'opinion contre n'importe quel caractère. Et j'ai l'impression dans le calcul qui fait sur l'assassinat de Jovenel Moïse, là, c'est ça qui fait. Tout ça, oui. C'est ça qui fait. Peut-être que les mercenaires étaient à l'aise dans la zone. Ils pensaient qu'ils étaient prêts à courir dans l'arrière comme des héros. Parce qu'ils disent son président. Personne ne va aller dans le pays. Là. Monsieur ne représente rien contre l'autre monde qui dit ça déjà. L'offre est tout, il ne peut pas prendre la rue. Et puis, il va aller voir la Colombie venir comme un pays. Sauveur. Oui, comme un pays sauveur d'Haïti. Alors, gagner calcul ça yo qui fait tout mais yo trompé de intelligence peuple haïtien parce que peuple haïtien yo fait différence dans petit bouche l'ouvri gagne dans voisinage alors yo avec raïsma dit chipoul pas dit mal fini vinn prendre exactement par exemple ou capable ouais
dans la communauté, il y a toujours des problèmes à moun. Mais depuis qu'on répète en dehors, tout le monde réunit. Ça a apporté chaise, ça a apporté drap, ça a apporté. Parce que c'est la solidarité. Pour inspirer, M. Evans, pour une question, vous nous dites que, en parlant d'assassinat de caractère, est-ce que quelque part la classe politique haïtienne, surtout la frange la plus radicale, pas contribuer tout non sur les démystifier la présidence, un président, quand on traite un président de n'importe qui et de n'importe quoi? Moi, je suis tellement mal. Ce n'est pas pareil que nous-mêmes nous avons dit en public. Est-ce que vous pensez que ça tout s'est pas conduire? Moi, pas dit la classe. Un président vers sa mort, vers son assassinat, par exemple. C'est ça qui fait parler du dernier assassinat. Parce que, il y a des gens qui font appel, qui disent qu'il y a un président à la Kaili. Ou bien, il y a une ville de ni. Parce que l'autre, il y a une ville de Guillaume, quand il y a un jeune qui va comme ça, ville de Guillaume. Dans la ville de Guillaume, c'est ton président. En 1915, il y a un en dans l'ambassade de France, côté l'État le caché, il y a lynché, touillé, etc. Mais il y a des gens qui disent verbalement que nous n'avons pas marché pour un président. Il y a tout ça. Et des appels qui lancent. Des appels qui lancent, par exemple, à le prendre la caille. Vous comprenez ça, ça veut dire l'homme nous chita la caille. Parce que président, il est président. Mais il y a un entourage, il y a une famille, il y a un petit, il y a peut-être un capteur avec lui. Et puis tout le monde s'est retrouvé vie menacée. Parce que yo avec yon moun ki président, l'autre moun gen contention avec yo. Parce que nous capables gen problème politique. Parce que a toujours gen problème ak moun. D'ailleurs, nous avons un proverbe qui dit langue ak dan toujours mordé. Mais rivé. Son proverbe de président Jovenel te remet en pile tout. Mais rivé nan raï moun nan, rivé nan dénigré, nan vilipendé, tout la. Et puis, m'a dit que, l'aime parler du dernier assassinat de M. Jovenel Moïse. Depuis que monsieur a monté sous pouvoir, même avant le prêter serment, il a commencé à assassiner les caractères. Son géote a accusé monsieur de bagaille, de chèque, il était bail, il a confondu contre Gouda, contre Dola, etc. C'est ça qui fait que monsieur est inculpé. Bien avant que le prêter serment, il est obligé à aller devant le juge d'instruction, etc. C'était une erreur de sa part. Et bon, il n'est pas obligé de faire, parce qu'il était président élu. Et le fait de présenter devant le juge, ça fait qu'on relève inculpé. Mais on a fait bah, la passe. Est-ce que c'est pas une façon tout pour le prouver que il n'a rien à... Mais nous-mêmes, nous n'avons pas fait jugement. En plus, on a parlé de justice, mais on n'a pas besoin de justice formelle. Justice, ça, est dans la rue pour le faire. Même gens, ou après enquête qu'on a fait là, chaque monde n'a pas de résultat enquête par eux. Et nous n'avons pas gérer une société comme ça. Alors moi, je pense que assassinat président Jovenel Moïse, là, donne un exemple. Pour nous suspendre d'assassiner les gens. Et on ne doit pas assassiner les gens physiquement. Mais les gens détruisent les gens, même politiquement. Parce que moi-même, je suis fanatique de sport, je ne parle pas de boxe. Parce que boxe a une torture, la donne des victimes de torture. Mais ça va dire que je ne peux pas garder boxe. Parce que le principe dans jouer de boxe là. Il faut pas frapper. Ou pas frapper en bas ceinture. C'est-à-dire que son président de la République, il y a l'image de la présidence, parce que la présidence est une institution, c'est le visage du pays. Vous pensez que le monde qui fait crime ça, il y a une limite de bagaille au cas de lui, il y a des gens pour traiter. Vous pensez que le monde qui fait crime ça, il dépasse la limite. Eh bien, nous dépassons la limite, mais pas oublier créer l'atmosphère. Je parle de dernier assassinat, avec l'autre assassinat de caractère, créer les conditions. Gagnons un assassinat, on ambiance idéologique de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et mon yo saisi réaction peuple. Après, elle a dit oui, gen bagay nou pas d'accord, gen bagay nou te kon revendiqué, gen bagay nou te reproché, monsieur. Mais question pour nous venir touyer comme ça, pour nous faire étranger venir touyer là, nous pas accepter ça. Et bravo peuple haïtien. Bravo peuple haïtien pour comportement nous depuis l'assassinat du président. Faut apprendre faire la part des choses. Mettez chaque bagay en place. Et c'est ça qui fait moun. Qui ça que ta de réaction peuple là davantage si et à l'avenir, bien dans les mois qui viennent, pas gagner un résultat, bien pas une enquête, qui ben y a un minimum de satisfaction sur le cas d'assassinat, ça, d'après vous? Pas j'aime gagner aucun résultat satisfaisant. Parce que chaque monde qui est en tête, il est coupable. Pour une raison ou pour une autre. Et après ça, dans des matchs qui fait. Chaque monde qui a un problème à un monde, ou bien. Parce qu'en général, il ne faut pas mélanger tout le bagaille. Il y a un monde qui est en problème à président, contentieux à président, contentieux ouvert, mais ça va résulter assassiné. Ou bien, ça va arriver à assassiner. Il y a des gens qui ont mélangé pareil. Ou pral tomber dans une situation, quand on pral gain,
trois vérités. Grande vérité qui est supérieure à toute vérité, c'est la vérité divine. Ça nous va pas toucher. Bon Dieu est toute bagaille, il connaît qui Jean président, mourir déjà. Mais nous toutes là, nous obligés à faire supposition, spéculation. Grande deuxième vérité, qui est une vérité juridique, vous voulez pas vouloir un aboutissement, à bon monde, à gagner mon yo disait mon ça qui c'est vous ça c'est mon qui était fait qui était exécuté criminel et pour quelqu'un d'autre sous lui quand même quel que soit les gens le passé ou même si dans la réalité pays d'ailleurs que le FBI il y a tout le monde qui l'a dans yo pour quelqu'un d'autre d'ailleurs et nous tomber dans une situation de suspicion etc. mais pour quelqu'un l'autre vérité que les vérités politiques la vérité politique là c'est ça que dans tête mon yo. Et c'est peut-être de ça qu'on a parlé après pause là, M. Evans Paul. Et voilà, nous avons reçu pour vous, Madame, Monsieur, l'ancien Premier ministre Evans Paul, qui a analysé avec nous, mais partagé avec nous également, expérience parlée comme homme politique, mais qui, je vous dis, a, dans toute carrière, assisté ou bien témoin comme mon capif de nos générations d'assassinat du président. En passant, c'est pour la première fois dans l'expérience politique. Vous, ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est depuis 1915, ça fait 106 ans que mon président a été tué dans des conditions violentes. Donc, la vérité politique, là, on a parlé de ça après pour cela. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipiès, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième tranche de la rubrique Le Point de Métropole. Monsieur Evans Paul, nous te promettons de parler de vérité politique. Vous te parlez de trois vérités. Son vérité juridique, son vérité divine, on te parlait tout de vérité politique et c'est avec une approche de deuxième tranche d'émission. La vérité politique, président ça a coqué dans gauche. Et l'a répété Jovenel Moïse. Monsieur a dit le non-sens que était infaillible. C'est-à-dire, il va pas trouver ça. Il va pas assassiner ça, il va pas isoler ça. Mais pitié, il va pas trouver. Parce qu'on y a fait un cadavre. C'est-à-dire, on a fait un cadavre qui est vivant. C'est-à-dire que vous êtes obligé de compter avec l'image de Jovenel Moïse. L'étape finie, 7 février 2022, qu'on ne va pas compter combien de temps là encore. Parce qu'ils sont martyrs. C'est presque le cas de Jean-Jacques Dessalines. C'est la vérité politique. Vous mettez critiquer le vilipendel, tout le monde va mourir pour une cause. Et vous pourrez gagner qu'on y a pour faire face à l'héritage politique de Jovenel Moïse. Vous avez dit là, pendant ma temps, que même monde qui a assassiné Jovenel Moïse, vous avez apporté de votre procès aujourd'hui là. Oui, parce que 7 février 2022, mission M. était finie. Et qu'on y a, M. Wagen de l'air. Il va gagner de l'air. Parce qu'ils sont martyrs. Des fois, ils comprennent ça. Ils créent un martyr. Ils créent un mythe. Est-ce que vous avez dit ce que Jovenel Moïse n'a pas fait de son vivant? Et pendant qu'il mourit là, pensez que l'image, c'est ça que les représentants aujourd'hui sont capables influencer et provoquer des choses, c'est soit avec ce prénom-là. Eh bien, Haïti, c'est ça, c'est un pays paradoxal. Faut mourir pour bon. Malheureusement. Dessalines, il était tout il dans condition, tout le monde était connu, etc. Plus de 200 ans plus tard. Mais Delphine mourit. Alors, Jovenel Moïse, mon baraque, une particularité, oui. Tu as près de 50 ans, tu as cité dans Dessalines après le mort. Mais Jovenel Moïse, il y a des gens qui campaient. Qui défendent, vous comprenez, qui condamnent ce qui passé. Et il y a une évaluation qui a été faite qui est des gens erronés. C'est vrai, l'image du président Jovenel Moïse était très affectée. Mais il y a un support dans les villes provinciales. Certains côtés, il y a des projets qui ont été faits, ils ont été appropriés de projets. Et c'est ça qui fait peut-être qu'il y a un peu de monde qui a dit que le pays n'a pas résumé à la République de Port-au-Prince. Exactement, il faut qu'on fasse très attention. Alors maintenant, la mort, ou bien assassinat, président Jovenel Moïse, lui vient engendrer trois gros problèmes supplémentaires. En plus, le problème pays a été gagné déjà. Nous gagnons une crise de succession. De Premier ministre? En qui était notre succession, il n'est pas Premier ministre seulement. Succession est beaucoup plus large. Parce que succession a gagné deux étapes. Et je vais l'expliquer. Nous gagnons une situation de suspicion. Ou après, il y a un cadavre là. Parce que quand il y a un cadavre là, pour retirer les gens sous scène politique, pour dénoncer les gens, etc., chaque fois qu'on a fait une enquête par eux. Et nous gagnons un sentiment d'indignation. Qu'est-ce que je comprends dans le pays d'Haïti? Nous avons subi l'occupation américaine.
de 1915 à 1934, gen bataille qui menait, bataille patriotique, bataille idéologique, bataille militaire à travers Chalmay Peyral, Benoît Badaville, pour nous défaire nous de l'occupation américaine. Je dis à tes conseillers, c'est normal tout pour n'attendre l'occupation américaine. C'est normal qu'un monde qui mande, les gens dans la population qui a bien content blanc vienne de nous. Est-ce que c'est pas parce que monde s'est perdu face à ça qu'on fait là, je veux dire, non, je ne pas reprocher monde non, parce que c'est nous créons une situation qui fait même mot sodinité patriotique nous gagne perdu. Nous d'accord qu'on y a nous pas pour rien, blanc met vienne de nous parce que nous et puis n'a continuer faire des ordres. Et les sont... leaders actuels pas même envoyé une autre image à monde désespéré, c'est l'espoir qui s'en va. C'est une honte que qu'on y a et puis fort ici à veiller qu'il est premier américain à rentrer en Haïti pour venir d'eux, etc. Mais ça, ils ne pas comprendre. Situation géopolitique a changé. Dynamique États-Unis était gagnée en 1915, ce n'est pas lui que l'a jodi. C'est vrai, on dit ça plusieurs fois, en un siècle, il débarquait trois fois en Haïti, il débarquait en 1915, en 1994, et brièvement en 2004. Mais la force militaire n'a pas qu'à résoudre le problème. Les États-Unis déjà occupé le pays politiquement, il n'y a pas besoin de risquer de l'occuper militairement. Parce que l'envoyer des soldats dans nos pays, ce sont des choses qui sont très risquées. Il y a des controverses, il y a des choses qui sont dépensées, il y a les adversaires du pouvoir, si il y a des soldats qui mourent, qui fait qu'il n'y a pas tellement de choses sur ça. Il n'y a pas obligé de faire si une situation dépassée. Moi, pour être très hésitant pour arriver là. Et nous-mêmes, Haïtiens, nous sommes contre ça. Là, nous sommes gourmets pour nous retirer le pays sous occupation. Mais je veux dire, c'est comme si nous attendons ça. Nous avons gommé entre nous, nous plutôt tous les Jovenel pour nous dire blancs, venez de nous. Ce n'est pas sérieux. Nous te dit que c'est Jovenel qui est problème là, alors qu'il y a un groupe de monde qui te dit que c'est Jovenel qui est problème là. Si on peut stipérer n'importe comment un des l'absalou, n'a pas prendre certaines déclarations de quelques leaders politiques, faut qu'il y ait 7 février 2021, même avant la bataille qui est faite, parce que selon les leaders, ça aussi est problème là que le président. D'alors, l'assassiné a été démouri, toujours une bataille politique. Comment comprendre la situation ça, M. Bonsport? Une bataille politique parce que, justement, nous tombons dans la crise de succession. On a parlé de crise de succession. Hein? La succession, il faut prendre deux temps. Mm-hmm. Une succession immédiate. On parle sur le plan politique? Sur le plan politique, parce que le pays n'a pas été arrêté dans le vide. Une succession immédiate qui peut mener à l'élection. Une succession ouverte. La succession immédiate, là, c'est la combinaison pour un gouvernement intérimaire de transition, je ne l'ai pas là, qui pour faire le pont entre maintenant et les élections. Mm-hmm. Une succession ouverte. La succession ouverte, c'est la succession démocratique, élection, etc. Et Jovenel Moïse pour le présent. Il n'est pas de présent. Il n'est pas de présent, non, c'est pas de tuer. Mm-hmm. Mais il pour le présent. Il pour le ouais, et sur l'échiquier politique, là, il pourrait difficilement pour un candidat pour le Jovenel Moïse mal. Difficilement. Alors que si l'élection a été faite, elle était là, c'est à faire la bataille là, c'est à Jovenel Moïse pour abîmer, c'est lui-même responsable de toute gang dans le pays, c'est lui qui volait tout le copé, tout le caribé, c'est lui qui a fait toute bagaille qui va bon. Et m'a dit que y a une petite question de discrimination là-dedans. C'est-à-dire Jovenel Moïse sorti en province. Son est grandeur. Son est grandeur, et même s'il était venu à l'école Port-au-Prince, mais qu'il a vécu en dehors, etc. Depuis juillet au Mouté, sous Palais, il a attaqué eux sous un habillé, etc. Le président, c'est l'image du pays. C'est-à-dire que la présidence, c'est une institution. Un président pas habillé, j'en veux ni première dame. Ils ont honte que n'y pas une institution, le président qui finit, mettez le nom moule. C'est-à-dire, si le président est mal présenté, c'est le protocole de la République, le protocole du palais responsable. Ce n'est pas le président. Il n'est pas obligé. Et qu'on est qui j'en pour l'habiller, etc. Il va être l'école là pour le président. Sauf, l'image du président doit être préservée par la République. Donc, que c'est petit, madame, ni gon j'en pour yon comporter, j'en pour chita, j'en pour pâcher, j'en pour parler. Parce que le président, c'est l'image du pays. Et si le président mal présenté, c'est tout le pays qui a mal présenté, qui a une responsabilité institutionnelle. C'est comme ça pour nous. Et pas qui côté il était sorti, si il était dans grande dehors, si il était dans la ville, il faut nous suspendre avec ça. Parce que n'importe qui monde qui a président, si c'est démocratie, nous choisit fait. Et il dit, le président assassiné Jovenel Moïse, c'est même qu'on dit ça. Il a fait ça, c'est parce que je ne suis pas X, je ne suis pas Y, parce que c'est paysan. Au point qu'il a fait de ça, discours, pas du tout. Peut-être canard pour le monter de table. Donc, dans la campagne pour l'implémentation du projet Léo,
peut-être lui-même toujours été conscient de situation de discrimination ça que il t'a subi. Alors les mots reconnus, il faut mon respecter mes mots, aller pas l'antagoniser avec un mort avec un monde qui mourit tragiquement bien ça passé. Mais il pas obligé de dire ça lui-même. Parce que le président faut toujours mesurer ce qu'il dit. Parce qu'il y a tellement de monde qui capable aller pour vous. Et le président, je vous dans une situation, c'est lui qui a défendu la tête. Au cours de ces deux dernières années, presque. C'est comme si on a demandé ça qui s'est passé. Côté appareil gouvernemental, là. Et dans ce sens-là, M. Evans Paul, il y a des gens qui dit qu'il ne faut jamais laisser à un président l'opportunité de porter sa parole. Il a toujours côté du mal ou difficilement, parce que la parole d'un chef doit être soignée. Donc, chaque mot est discours, chaque phrase est l'histoire, etc. Mais pour en pile, le président Panouyo, notamment avec le président Jovenel Moïse, nous toujours dit n'a pas avec cœur, non. Il a dénoncé peut-être ce qui est dénonçable et en plus dérive l'engager en fait tout dans ce sens-là. Moi, je dirais qu'il faut s'arranger pour que la parole du président soit une parole mesurée. Le président n'a pas qu'à parler à cœur. Parce que l'on parle à cœur, il y a émotion. Dans l'amour, il parle à cœur. Mais dans la politique, il parle à tête. C'est-à-dire? Parce que l'on a parlé politique, il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de conséquences de ce qu'on a dit, ou pas qu'à dire n'importe qui bagaille. Même vérité, il faut qu'on ait qu'on a dit. Parce que toute vérité n'est pas bonne. D'ailleurs, même paysan, il y a comme ça. Mm-hmm. Paysan qui pas fait gros à l'école. Gon nouvelle là baoul kon ki jan pou le bodé nouvelle là li pa ne crété kon sa le tel moun mouri li ba ou li ay la pou et cetera bon ti dlo bagay li do tel pa bon non tel l'hôpital tel te ba li commencé ou fòk si autant depuis mal c'est l'enfant exactement mais nous pas capable nous même nous rivé et ceci li valable et pour le président de la république mais valable tout pour moun ki aspire vin président ou pas ka di n'importe ki bagay don l'autre moun don concurrent politique. Pas qu'à dégrader moun. Là, n'a pas parlé avec l'international. Moi-même, toujours pour précaution, je fais toute vie dans l'opposition. Mais on ne peut jamais entendre pour attaquer un monde sous physique, li, sous origine sociale. Li. Nous pas gagner droit à faire ça. Je dis, en pile des deux haïtiens, prend sa forme, je parle de bataille, les aller rencontrer l'international, c'est dénigrer tel couche, dénigrer tel monde. Et je dis récemment, le sénateur Joseph Lambert font tweet comme ça pour lui reprocher à ce que le Premier ministre Haï, ça va dénigrer le Premier ministre nommé par devant des diplomates américains lors d'une rencontre. Si ça t'a fait, c'est une honte. Moi-même, moi, pas aimé attitude ça yo. Pas aimé attitude ça yo et me toujours gêné. Toujours gêné les gens des rencontres et puis tout le monde prend blanc pour un juge. Il y a porté blanc plainte. Un tel fait ceci, un tel c'est celui-là, un tel c'est celui-là. On ne fait pas ça. Ça a été le cas avec le EA récemment. Oui. Moi, ça, tout le monde, je prends pour juge et puis je garde mon cap, garde mon avec la peine. Je garde mon avec la peine. Il faut nous changer. Vous êtes allé porter plainte contre Jovenel Moïse. Mais cela depuis tout. Mais, c'est pas. Il commençait depuis très longtemps. Disons, sous Duvalier, c'était comme ça. Bon, OK, on était monté à Washington, Duvalier, pas beau, etc. OK, c'était un dictateur, mais tu comprends, etc. Duvalier est tombé. Même bagaille. C'est même bagaille tout ça qui vient après ou pas bon. Mais faut qu'on côté nous mettons d'accord sur règle. Parce que si nous pas mettons d'accord sur règle, nous pas jamais avancer. Alors c'est n'a pas les deux crises de succession, faut pas prendre comme une question de remplacer Jovenel Moïse. Sont question de assurer la continuité de l'État, mais sont question tout pour nous connaître ça nous pral faire avec pays. Et dans bataille politique qui gagne jodi a sous succession immédiate du président Jovenel Moïse là. Un élément pour nous considérer, un élément fondamental. Le président Jovenel Moïse, il n'a pas renversé, c'est assassiné. La différence. Soit tu es renversé, ou tu es dans l'opposition, c'est au renversé sous force, peut-être tu es capable de revendiquer le pouvoir. C'est-à-dire l'opposition en a encore pris un coup avec l'assassinat de Jovenel Moïse. Je ne pas dire opposition. Oui, un coup, c'est-à-dire, si vous avez expliqué la question à travers peut-être des éléments, même après la mort de Jovenel Moïse, cette opposition se bat encore pour avoir quelque chose. Parce que l'opposition, ce n'est pas une organisation. L'opposition, ce n'est pas être polarisée. Tout n'a pas de contradiction dans le temps de tout. L'opposition n'a pas un projet, l'opposition n'a pas un leader, par contre, l'opposition unie. Et c'est ça qui explique la crise là tout. Il n'y a pas d'offre.
alternative à ça y a proposé. Par exemple, ou pas de mes gouvernants, c'est Jovenel Moïse, PHTK, etc. Mais peuple a pour rejoindre l'autre offre qui dit, mais en quoi nous-mêmes nous meilleurs? Sur le plan économique, mais ça nous pourra le faire. Sur le plan social, mais ça nous pourra le faire. Sur le plan sécurité, mais ça nous pourra le faire. Pas une parole comme ça qui parle. Mon yo, ouais, fait de retirer, mettez, mais c'est de ça qui est question. Et je dis à la discussion qu'a fait là, montrer ça. Personne n'a pas réfléchi à parler parce que Jovenel Moïse était le diable. Mais on est d'accord pour parler avec la descendance politique de Jovenel Moïse. Qu'est-ce que ça veut dire? Un petit côté immoral là-dedans. On n'a pas aimé le père, mais on aime le fils. Oui, mais c'est pas normal. Alors moi-même, moi, je voulais profiter de l'opportunité au bon matin hein, pour me lancer un appel à la responsabilité. Il faut faire très attention à ça, nous allons faire pays. Chaque monde responsable, Zakli, pas stigmatiser le monde. Nous sommes pays pauvres déjà. Tout le monde, c'est le monde fini. Tout le monde en Afrique, nous sortons, même si nous sommes majorité de Noirs. Tout le monde, c'est le monde vini. Affaire de pour un groupe de monde, pour dire c'est eux-mêmes qui font ceci, font cela, on met tout dans le même panier, il y a un droit de gagner un monde, dans chaque sensibilité, dans chaque communauté. C'est un monde, et moi, j'ai une note dont certains Raphaël Jarre qui écrit dans ce sens-là, pour dire que ce citoyen haïtien fait en Haïti, même s'il est Jarre, même si peut-être Paul Clé, et que Gonfrel y a accusé, mais faites attention. En matière pénale, la responsabilité est personnelle. Ça veut dire que y a une tendance pour orienter les bagailles sur le monde, groupe monde. Non, non, pas entrer dans les bagailles ça. Et m'a fait référence historique. Même Dessalines, dans la révolution. Là. Après, il dit, faites attention, protégez père, protégez docteur, protégez professeur, parce qu'on a besoin de monde pour faire pays avancer. Je dis, nous avons besoin de justice sociale, d'un équilibre. C'est vrai, je dis, bouillon bon. Mais c'est vivre ensemble, c'est négocier pour négocier on a l'autre, pour nous créer harmonie dans la société. Mais ce n'est pas dans la confrontation qu'on a. Justice sociale, là, faut chercher un gens pour nous ranger sans que nous ne crasions au profit de l'autre. Faut tout le monde vivre dignement. Et c'est ça, moi-même, qui message moi. Hein. Et c'est plus gros service nous avons président Jovenel Moïse, pays, si nous faisons un effort de dépassement. Pour nous reconnaître, je dis, il n'y a pas un pouvoir à prendre, il y a un pouvoir à construire. Il n'y a pas de pouvoir. Et nous, chita là, sont en situation très fragile. Matin, m'attendais métropole. Ça a passé dans Matissan. Pouvoir, c'est quoi? C'est protéger la population. Je dis, à qui monde qui dit qu'il y a une solution à problème? Ça, yo. Et fois, peuple a senti, monde qui a fait politique, yo. Côté de sensibilité, Jovenel Moïse. Côté de sensibilité, opposition. C'est ça qui préoccupation. Dans la dernière intervention que vous faites sous métropole, M. Evans Paul, vous parlez de la dernière volonté, la dernière volonté politique du président Jovenel Moïse, qui c'est une nomination de Ariel Henry comme premier ministre et 48 heures plus tard, c'est l'histoire. Il y a une confusion ça. Hein? Est-ce que les mêmes peuples prennent pouvoir? Et il y a un Claude Joseph qui prend fonction, qui dit que c'est les mêmes qui assurent intérimaire vers les élections de la France du PIA, parce que c'est les mêmes qui étaient premiers ministres et encore en fonction. Petit rappel, même s'il était bien salué l'arrivée du premier ministre Ariel Henry. Donc, à ça, qu'est-ce que tu as dû faire si tu as dû gagner des leaders responsables réellement, côté que tu as pensé pays qui dit non, 48 heures, 72 heures ou plus, pour que une solution, une présentation, au moins, y ont symbole d'unité qui est soumette à la nation, dans la classe politique par exemple. Qu'est-ce qu'il devrait se faire d'abord? Moi, je pensais qu'il y a une entente entre les deux premiers ministres ambiguës. Là, je dis ambigu parce que M. Joseph était censé bailler des missions, il y a l'autre arrêté qui nomme l'autre monde, etc. Docteur Henry pour le co-installer. Alors, chaque monde a un petit morceau dans le monde, chaque monde a un déficit. Maintenant, quand ça ne va pas chiter là pour nous régler? Moi, même pas là, tous les deux, je me dis, monsieur, entendons-nous, venez devant la nation, hein, en bagaille raisonnable. Moi, je ne prends pas position en faveur de nous contre l'autre, parce que je pense que c'est deux haïtiens valables. Et je toujours salue fort pour le ministre Claude Joseph, t'es fait, à quel que soit titre, il t'est fait là. Si pas de grand monde qui gère la situation,
immédiatement après l'assassinat du président Jovenel Moïse, nous avons un chaos. Le fait qu'il était pour communiquer, il dit, mais ça qui passe, il prend disposition, il évacue la première dame à l'étranger pour ne pas mourir. Il y a des bagailles que il fait. Des mesures qui ont été prises. Des mesures qui ont été prises. Bon, maintenant, cause du salaire liquide de la plaque des affaires, il n'y a aucun problème avec ça. Mais M. Dr. Henri et Dr. Joseph, nous pensons qu'ils étaient capables de jouer nos ententes bon, dans un premier temps. Le acteur qui est entré en jeu là, c'est le sénateur Joseph Lambert. Le sénateur Lambert, il a représenté le tiers du Sénat qui était là. Eh bien, ils sont troisième acteur. Ils sont troisième acteur. Il y a l'autre acteur toujours. Cependant, je connais Jean-Barré la polarisé. Il y a un monde qui a dit qu'il faut faire un consensus là, tout le monde large. D'ailleurs, le consensus là, on nous a dit, en dehors de la loi. Parce que nous sommes déjà en dehors de la loi. Non, Mamadou Ouare, bien. Dans la démocratie, nous disons pour l'état de droit. Si nous avons la capacité pour appliquer la loi, nous n'avons pas besoin de chercher consensus tout le temps. Nous n'avons pas tout le temps dans le consensus. Nous n'avons pas parlé de transition de rupture, il faut un consensus de rupture tout. Consensus veut dire que nous trouvons compte mal taillé d'entendre nous. C'est pour nous mettre d'accord sur les règles. Par exemple, il y a un problème de constitution aujourd'hui. Il y a des jeunes qui font une constitution pour tête. Li. Voilà que un problème dans le pays. Nous n'avons pas une réponse là dans la constitution. En février 2021, tout le monde a laissé frapper. Il y a des gens qui chita sur l'article 134.1. Président chita sur 134.2. Même constitution, chaque monde qui a un bémoso et puis. N'a pas fait laisser frapper. Jodi, c'est l'article 149, chaque monde a une interprétation par eux. Il y a un problème de constitution. Si nous ne résolvons pas le problème. Il y a un problème d'homme, tout simplement. Il y a un bon problème de constitution. Un bon problème de constitution, parce que, question règle là, si nous ne résolvons pas le problème de constitution, et ce n'est pas une constitution qui a résolu le constat, non? Il y a un mécanisme, genre constitution, pour l'établir. C'est-à-dire, former tes outils dans la constitution qui pour. Assurer application constitutionnelle comme la Cour constitutionnelle que nous avons fait. Alors, ça crée quand même qui dit que la constitution, ça, que nous avons reproché, que nous n'avons même pas la changer, nous n'avons pas déjà appliqué réellement. Donc, vous avez une institution en dedans, constitution, ça, que nous n'avons pas déjà mis sous pied ou sous mentionné. Eh bien, c'est faux ça, c'est faux savoir. Pour qui ça met au pôle son institution? Parce que c'est l'œuvre émission, au fait. Chaque responsabilité. Mais c'est ça qu'on fait. C'est respect des règles. Ou à premier bail, vous mettez nous sous lit. Ce n'est pas qui monde qui parle le président, qui parle le premier ministre. Non? C'est qui règle. Parce que si nous mettons d'accord sur le règle, et puis n'a pas appliqué le règle, et puis n'a pas besoin de voir. Mais si c'est au gré de la volonté de chaque monde, il n'y a pas de résultat. Alors, nous te posons une petite question qu'on est souvent. Les journalistes ou simples citoyens, lorsqu'on pose la question, toujours bon. Ou qu'on s'y attend, lorsque vous me demandez où, dans 72 heures, qu'à venir là, si vous m'arrêtez de fête. On parle pour leader ou mon tabloumen pour pouvoir, je veux dire, ça est cadré, ça est cadré. Moi-même, moi pensais qu'une entente entre les trois, Il y a parlé de trois jours, 72 heures. Les trois acteurs principaux, savoir le premier ministre, c'est Ariel Henry, m'a dit déjà, c'est incarnation dernière volonté politique président. Le premier ministre, c'est Claude Joseph, qui joue un rôle important, il faut nous reconnaître ça, il faut saluer ça. Et le sénateur Joseph Lambert. Et puis maintenant, il y a élargi à l'autre monde. Mais nous ne pouvons pas faire pour imposer une révolution faite. C'est-à-dire que si nous pouvons le faire, on chita parler. Nous avons déclaré nous sommes d'accord avec le fond de chita parler. Mais chita parler, il faut le chita sur des bagailles fondamentales, pas sur discussion pouvoir. Discussion pouvoir, il y a une élection pour le faire. Et nous avons déclaré nous disons ça tout. C'est un pouvoir pour le faire. Je dis, c'est pour nous jouer une entente minimale pour assurer la continuité de l'État. Pour assurer que enquête soit assassinat président li abouti et pour organiser funérailles pour organiser funérailles président et il n'a pas l'aide à assurer la continuité de l'état pays a pas qu'à bloquer seulement et me donner nous disant dans métropole matin sous question président assassiné reste mon faut au vivre faut assurer yo commande manger faut assurer gain gaz faut assurer il va continuer tout le monde Matisse bandi pas faire la loi. Mais il y a urgence. Alors, 72 heures à trop, on a dit 24 heures. Est-ce que les deux CIDAO qui en liesse qui succède dans Jodia, on sait que si rien n'est fait dans un futur non lointain, nous sommes capables de subir une intervention militaire. D'ailleurs, c'est il y a un autre enjeu qu'à discuter et sur la scène nationale et sur la scène internationale au sujet d'Haïti. Donc. Question intervention militaire. Intervention étrangère, tout ça. Intervention étrangère, la France parlait de policiers, etc. Oui, bon, intervention nous pas même mettre ça.
bon nous pas contrôler ça, nous pas empêcher hein. La seule chose faut ta bay tête nous des monde qui gagne mission par la blanc, faut gagne des interlocuteurs au moins qui capable dire capable zo l'on soldat étranger entrer dans pays là yo dit il gagne bandi pourquoi on fait connait monsieur deux augustin bandi tout tout monde li ouem dans la rue il a tiré sur n'importe qui monde en danger. Il faut des allocuteurs qui disent, mais qui jamais, non, qui calme, comment, etc. C'est-à-dire que c'est un pays, et puis il faut limiter le tout. Alors, la petite histoire, il y a dit que tu n'as pas eu une intervention militaire qui a fait un pays, et puis il y a un groupe de monde qui dresse les listes toutes ennemies, puis on a une institution qui n'a pas de problème, et puis il y a dit, X, c'est base, par exemple, terroriste, et puis on n'y a pas rien à voir avec ça. Ça, c'est l'autre enjeu que nous devons tenir compte de lui. Même dans le mode d'action que n'importe quoi, pour éviter le pire, peut-être. Non, c'est ça, à côté, ils ont utilisé des situations politiques. Ils ont utilisé une force étrangère qui vient là pour faire vengeance avec les baïpaïos. Mal orienté soldats, ça a arrivé, puis ça a créé scandale. Et ça fait les Américains très prudents sur la question. Ça. Et même les gens qui ont essayé d'utiliser le cadavre du président Jovenel Moïse pour régler les comptes politiques. Il y a des fois, il y a des journaux qui disent. Bon, on a tendance dans le pays. Ouais, si Métropole est dans le pays, il n'y a pas de vérité. Mais n'importe quel journal étranger qui dit. C'est la vérité absolue. Même Jean Blanc vient là, il dit tel dit il est lié au qu'on doit être président tout il j'en veux. Non pas là c'est haïtien descendant de Saline pas comme ça comment on fait comment on fait accepter ça. Mais peuple a pied éclairé parce avant radio parce que peuple pas d'accord. Et ça fait peuple et ça fait peuple arrêter mercenaires. Si peuple a dit quoi dans ça il va le cacher le mercenaire il a dit mais papa blanc il t'a encadré au bas au côté puis au cacher. Et intelligemment ils ont arrêté eux, pas suivi eux, c'est parce qu'ils ont besoin d'explication. Bon bagaille, je dis chapeau, peuple haïtien. Eux, c'est Evans Paul, nous n'avons pas fini avec l'émission, mais nous avons besoin de message, peut-être, pour le monde qui a une expérience dans la politique, et qu'on est acteur, donc vous pouvez prendre l'asile, les gens qui ont besoin avec les gens, c'est qu'on est avec les gens. Certainement, tout le monde qui est sur cette scène-là, un jour ou l'autre, vous avez rencontré, vous avez parlé avec eux, ils ont tout, tout. Nous n'avons pas dit écouter. Nous avons dit, peut-être pas exécuté ce qu'on dit, on nous dit autant d'eau. Ou tu as peut-être bon d'action, d'exécution de la parole. Un message que, au moins, dans les 72 heures, même des 72 ou 24 heures, peut-être 24 heures. Bon urgence. Il y a une urgence, un message. Non, à ces acteurs, à la population aujourd'hui, parce qu'on est tous perdus. À la place où je suis, comme simple citoyen, tout le monde est perdu, je le dis. Un mot. Sois raisonnable. Monsieur Jovenel Moïse n'a pas été renversé, mais assassiné. Et puis nous avons un pays qui est sous la grabat. Nous avons un effort, il faut nous transcender. Pas qu'un compte pour nous régler l'autre là. En nous faisant un paillon vers l'autre pour nous voir si nous avons sauvé ça qu'a sauvé pour éviter le pire, pour éviter le chaos. C'est mon message à mes compatriotes de tous les camps, de toutes les sensibilités, l'héritage du président Jovenel Moïse et l'opposition qui était en face.